Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien. Nous sommes aujourd'hui le 30 juillet 2022. Je vais donc faire le bilan de mon premier compte, ce que j'ai gagné depuis le 1er juillet jusqu'au 30 juillet 2022, donc Shinsu. Mais avant tout ça, je vais vous montrer ici la sorcellerie en live des gens qui sont complexés. Ok, des jaloux qui savent bien que le leader Dev, quand il fait ses vidéos, il dit des vérités. Et donc, certaines personnes n'arrivent pas à assumer cela. Donc, on va aller découvrir quelqu'un que je vais dénoncer sur ma chaîne YouTube. Ici, regardez, par exemple, je clique sur la cloche de notification. Regardez ce commentaire-là. Regardez bien le nom. On arrive au niveau du nom, mesdames et demoiselles et messieurs. Voilà vous-même, il s'appelle Abdulba. Regardez ce qu'il écrit. Il dit, on dit quoi? Maintenant, ce sont les retraits de 20 et 39 dollars que tu fais. Ah, tu as laissé les plateformes. Tu peines à finir ta piole. Tu n'as rien vu encore. Bon, voilà, donc c'est un petit complexé qui, en tout cas, ne maîtrise rien. Déjà, en fait, moi, je vais lui donner une information principale à travers cette vidéo. Je suis quelqu'un qui aime les challenges. Donc voilà, la vidéo, c'est cette vidéo-là que la personne a regardée. Donc voilà, je m'arrête par ici. Je reviens pour lui répondre tout simplement que, bon, pour la piole, n'étant fait pas, parce que la piole a été déjà finie. Ok, voilà, donc je suis en train de faire les décorations internes. Parce que comme vous le savez, hein, une décoration interne, ce n'est pas vraiment de la pacotille. Donc je prends mon temps, je ne fais pas la course avec quelqu'un. Donc si tu es vraiment un vrai garçon, digne de ce nom, va construire aussi ta propre baraque et viens déposer sur YouTube pour qu'on puisse venir voir. Parce que tout ça, ça prouve tout simplement que tu es complexé et puis bon, tu n'as encore rien compris. D'accord? Bon, je n'ai pas besoin de rentrer en profondeur avec toi parce que quand j'essaie un peu de te regarder, j'imagine déjà ce que tu es dans ta tête. Ça veut dire que tu n'as aucun signe d'intelligence. Maintenant, répondons à la question de savoir, on dit quoi maintenant? Ce sont les retraits de 20, 39 dollars que tu fais maintenant et puis il dit encore, tu n'as rien encore vu. Ok, d'accord, bien. Puisque la vidéo concernait Shinsu. Donc la vidéo c'est celle-là, le titre c'est Shinsu, un vrai Africain ne devrait pas rater Shinsu Exchange. Tellement mes vidéos bouleversent le monde. On va maintenant rentrer dans Shinsu mon frère et je vais te faire un cours. Alors je réponds encore, je suis le leader Dev. Je vis en République du Congo, d'accord. J'ai commencé le projet Shinsu depuis le 1er février, voilà, ça c'est le premier compte. Voilà la date à laquelle j'ai commencé ce projet. Voilà, le 1er février 2022, j'ai commencé ce projet et je t'informe que je suis salarié dans Shinsu. Et dans ce compte-là, Shinsu me paye 500 dollars chaque fin de mois dans ce compte-là. 500 dollars chaque fin de mois. Donc, généralement, chaque le 3 du mois, je reçois avec ce compte-là 500 dollars. Maintenant, ici, au niveau de ce compte, voilà mon chiffre d'affaires, 92 950 dollars de chiffre d'affaires. Dès que ce chiffre d'affaires-là doit passer à 125 000 dollars, sache-le que je vais recevoir 1 250 dollars chaque fin du mois pendant une période de 8 mois. Et puis, je vais recevoir une prime de 2 500 dollars cash. Ok? Maintenant, ici, là où tu vois STZU Belen, ça, ce sont les nombres de pièces que je gagne. Déjà, ce que tu vois là, ça, c'est l'argent qui se trouve là. Malheureusement, toi, tu ne pourras jamais comprendre ça parce que tu ne fais pas partie de Shinsu. Maintenant, ici, il s'agit tout simplement de te faire le bilan de ce que j'ai gagné au mois de juin. Et maintenant, là où tu es assis, fais aussi le bilan de ce que toi, tu as gagné. En tout cas, moi, je ne suis pas bête. C'est comme ce que je dis, hein. Celui qui a un téléphone et qui n'arrive pas à gagner d'office 1000 francs grâce à son téléphone sur Internet, c'est qu'il n'est pas intelligent. Donc, mon frère, on va regarder ensemble avec toi l'historique des retraits que j'ai fait durant tout le mois de juillet 2022. Et en ce moment-là, tu dois comprendre que moi, je suis un commerçant. Ok? Shinsu, j'ai créé une base de données. Aujourd'hui, j'ai plus de 2080 clients à travers le monde entier grâce à Shinsu. Donc, ça veut dire que chaque jour, je gagne de l'argent dans ce projet. Donc, n'importe quel montant que je trouve là-dedans, je retire, je fais le retrait. Je viens sur ma chaîne YouTube pour publier, pour montrer vraiment aux Africains intelligents que vous êtes en train de manquer de l'argent. Ok? Maintenant, on vient ici, par exemple. Regarde la date. On doit commencer avec toi en date du 2 juillet. Regarde bien. Le 2 juillet est là. Ça commence par ici, le 2 juillet 2022. Ça, c'est les premiers retraits que j'ai fait. Il y a combien de retraits? On commence ici, on va compter ensemble avec toi. 2, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc tu vois, durant tout le mois de juillet, j'ai fait 26 retraits. Maintenant, on va voir les montants que nous avions faits durant ce mois-là. OK? Bien. Oui, ça. On vient le 4 ici. Donc le 2, à partir du 2 ici, on commence. Voilà ici les retraits. J'ai fait le retrait de 21$, 50, 230, 279, 29, 62, 20, 42, 21, 23, 70, 33, 25, 26, 31, 70, 91, 51, 65, 30, 20, 21, 141, 25, 19, 23$. Le tout dernier 23$ que je viens de faire récemment, c'est en date du 30 juillet 2022, où j'ai fait un retrait de 23$. Donc maintenant, la somme de tout ce que j'ai fait là, voilà ça ici. Ça m'a fait un total de 1 526$ que j'ai retiré durant tout le mois de juillet 2022. Et donc, du coup, quand je multiplie ça, puisque le dollar est à 650 pour certains, 670 pour d'autres, donc moi, je m'arrête juste à 650 parce que j'en vends à 650. Donc, tu vois, déjà 1 526$ multiplié par 650, ça me fait 991 900 francs CFA. Ça veut dire qu'il me manque tout simplement ici 8100 francs CFA pour faire 1 million de francs CFA que j'ai pu gagner grâce à Chinsou le mois de juillet 2022. Donc en ce moment-là, toi avec ton commentaire Zoba Zoba, nous au Congo Brazzaville on appelle ça un commentaire bidon, puisque tu es un complexé, notoire, voilà pourquoi je vais t'exposer à travers cette vidéo, puisque je t'avais déjà dit que moi on ne blague pas avec moi. Quand tu viens faire un débat avec moi, il faut avoir des arguments solides. Donc tu vois déjà par exemple avec ton commentaire, on dit quoi maintenant? Ce sont des retraits de 20 à 39$ que tu fais maintenant. Mais oui, effectivement, parce que je suis un commerçant, quand je viens, je rentre dans ma boutique. Ma boutique c'est Chinsou. Je viens par exemple là, je rentre dans ma boutique. Regarde par exemple, je te fais un exemple simple que tu veux voir. Je rentre dans ma boutique ici pour venir voir, ah, j'ai gagné combien aujourd'hui? Tu vois, je viens ici, je mets les pièces là. Attends, tu dois voir, regarde la partie là. Là où on dit receive là, tu dois voir le montant. Parce qu'il est 20h55, heure du Congo Brazzaville. Donc, je mets par exemple 37, 2, 9, okay, 2, 5, okay, 6. Pour le moment, j'ai 3$ dedans là. Est-ce que toi, tu sais comment on gagne même un 3$? Voilà, tu vois. Donc, c'est juste pour te faire comprendre une chose que quand tu n'as rien à dire, il faut rester parfois tranquille. Déjà, moi, dans mes vidéos, je vous ai dit. Un idiot ne peut pas venir dans Chinsou. Tous ceux qui se sont lancés dans Chinsou, ce sont des hommes intelligents. Les gens qui connaissent comment est lancée une crypto-monnaie. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc nous n'avons pas besoin en Chinsou des gens qui ne comprennent rien de la crypto-monnaie. Les gens qui pensent que le parrainage, c'est escroquerie. Alors que les gens oublient que vendre par affiliation, c'est un passeport vers la liberté financière. Est-ce que vous voyez? C'est ce que les gens oublient. Je vous prends un exemple simple. Je suis dans Vestige, ok? Je suis dans Vestige qui est une société de compléments alimentaires, une entreprise de marketing des réseaux. Déjà, quand les gens veulent acheter des produits Vestige à un bon prix, moi, je leur demande de devenir distributeurs. Du coup, je leur partage mon ID. Ces personnes-là vont sont enregistrés avec mon ID. Donc, ces personnes deviennent mes clients. Donc, à chaque fois que ces personnes vont aller acheter des produits Chinsou, moi, je suis payé. On me paye pour ça. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, l'affiliation. Et c'est la même chose qui se passe dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, je dis encore, maudit soit celui-là qui n'a rien compris du fonctionnement de l'affiliation, qui pense que le marketing des réseaux, qui pense que le parrainage, c'est de l'arnaque. Mon frère, ton maudit matin, midi, soir, ok? Moi, je ne suis pas ton camarade. Donc, voilà un peu. Ça, c'est d'abord mon compte, mon premier compte. Maintenant, lui qui ne croit pas que moi, je suis payé à 500$ chaque fin du mois, je viens ici, je clique là pour que tu puisses voir le mois qu'on m'avait payé les 500$. Voilà. On m'avait payé le premier 500$, c'était le 3 juillet. 2022, j'avais reçu mon premier salaire de 500$. Ça veut dire que le 3 août, je serai encore payé à 500$. Et ceci pendant 8 mois. Pendant 8 mois. Maintenant, si je prends ici, voilà. Si je prends ici, je passe là. Si ici, j'ai 125 000$ ici, ça veut dire que je ne vais plus recevoir 500$ par mois, mais je vais recevoir 1 250$ par mois. Maintenant, parlons des clients. Voilà le nombre de clients que j'ai dans ce projet-là. 2087 clients. C'est pour te dire qu'avec toi ou sans toi, je suis en train d'avancer ici. Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent à travers cette vidéo, je vais vous dire une chose. Vous savez qu'en Afrique, nous sommes entourés de grands sorciers.
Le sorcier d'un Africain, c'est lui-même son ami africain. Donc vous voyez comment ça peut se faire que quelqu'un, depuis son pays, il a la haine envers une personne qui vit en République du Congo. Regardez encore son commentaire. En tout cas, moi, je ris beaucoup, quoi. Regardez, on dit quoi maintenant? Ce sont des retraits de 20-39 que tu fais. Tu as laissé les plateformes. Tu peines à finir ta piole. Tu n'as rien encore vu. Il me dit, je peine à finir ma piole, alors que moi, ma piole est déjà terminée. Les décorations internes que je suis en train de faire, parce que moi je suis quelqu'un qui aime le luxe, donc je ne fais pas la course avec quelqu'un. Donc lui là, il n'a rien compris. En fait, c'est un complexé notoire. C'est pour cette raison que je viens ici, je clique mon commentaire. Comme moi je ne laisse jamais un adversaire raconter des bêtises sur mes vidéos, je lui dis tout simplement ici, voilà un idiot qui n'a rien compris. Donc, je lui dis donc, ma piole t'empêche de vivre, jaloux là, ha ha ha, chaque jour je fais mes retraits tranquillement. Conçu pour toi, on va voir si tu es un vrai garçon. Donc voilà un défi que je lui donne. Je lui dis tout simplement que dans le game de la crypto-monnaie, c'est comme le football. Il y a des gens qui jouent au Real, il y a des gens qui jouent à Barça, il y a des meilleurs joueurs comme les Cristiano Ronaldo, les Mbappé. Maintenant, dans le domaine du marketing des réseaux, nous sommes les Cristiano Ronaldo, voyez-vous, du marketing des réseaux. Parce que nous, on sait comment on développe un business. On prend notre temps en train d'informer et de former les gens. On prend notre temps en train de faire le coaching. Donc, tant pis pour les gens qui vont avoir la haine envers nous. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, maintenant, toi... J'étais exposé à travers ma vidéo. Je crois que ça sera pour la toute dernière fois que tu viendras commenter mes vidéos, parce que cette vidéo, je vais laisser ça sur ma chaîne YouTube pour que les gens puissent comprendre à tel point les Africains sont devenus trop bêtes. Quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, qui vit en République du Congo, qui développe son business, qui a réalisé... Moi, je vais te dire un truc. Ma baraque que j'ai construite là, c'est juste la réponse à tous ceux qui ignorent la puissance de la crypto-monnaie. C'est voilà pourquoi je dis et je poste ça, je dis aux gens, attention le gars, dans la crypto-monnaie, il y a l'argent. On a la possibilité de devenir multimillionnaire grâce à la crypto-monnaie. On a la possibilité de construire de vraies maisons grâce à la crypto-monnaie. Donc maintenant, toi qui viens écrire sous ma vidéo, je comprends que tu es animé par un esprit, un, de complexe, un esprit, de jalousie, trois, un esprit de complexe d'infériorité. Je te comprends, mes chers amis, je vais te dire une chose, et tu dois retenir ça. Moi, ma situation sociale est bien établie. Je ne suis pas quelqu'un qui crève de faim. Je suis avant tout un salarié. Je bosse pour la Société Nationale des Télécommunications du Congo. Est-ce que tu comprends ça, non? Voilà. Donc, mon frère, je ne suis pas quelqu'un qui mange uniquement sur Internet. Je suis désolé. OK? Donc, mon ami, toi et moi, on est vraiment très différents. Donc, je crois qu'à travers cette vidéo, tu as reçu une leçon. On ne plaisante pas avec moi, je ne suis pas ton camarade. Je suis quelqu'un qui sait se battre et gagne son argent d'une manière légale. Et quand je fais mes vidéos, je sais à qui je m'adresse. Et donc, que ce soit pour la première fois et la dernière fois que tu viendras mettre ta tête d'inconscient sous mes vidéos. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Je t'ai démontré de A jusqu'à Z, juste avec ce compte-là, que je me suis tapé 1500, ça y est là mon frère, excusez-moi. Parce que ce monsieur-là, il faut que je le ramasse. Je me suis tapé 1 526 $, soit 91 900 francs CFA en un mois. Donc, depuis le 2 juillet jusqu'au 30, voilà l'argent que j'ai gagné dans Shinsu, que j'ai déjà retiré. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, en conclusion, tu fermes ta gueule. Quand tu maîtrises la personne, tu fermes ta gueule. Voilà, donc mes vidéos ne t'empêchent pas de vivre. Ok? Je me suis lancé dans Shinsu, ce n'est pas avec ton argent. Dans Shinsu, voilà le montant que... J'ai déboursé dans Shinsu pour acheter mes pièces. $2 185. Si tu calcules ça sur, en francs CFA, ça te fait déjà 1 million et plus. Donc, voilà les milliards de pièces que j'ai achetées. Voilà, c'est pour te dire que moi, je sais comment investir dans un projet. Voilà, donc avec toi ou sans toi, ce projet Shinsu-là va fonctionner. Et ça continuera à fonctionner. Si ça cale devant, on s'en fout, ce n'est pas avec ton argent qu'on investit. Est-ce que tu as compris? Et cette vidéo-là va servir aussi aux autres, les autres qui ne sont pas courageux, qui viennent souvent commenter les vidéos des gens. La suite au prochain numéro, le leader d'Ev depuis le Congo-Brazzaville. Ciao, ciao les gars, on est ensemble. Vive Shinsu, abat tous ces voyous-là qui ne comprennent rien de la crypto-monnaie. Vos maudits à matin, midi, soir. Mais ça va les mais oui.